Je viens vous dire que à Gardin Park, on est tellement investi. Putain, mais j'ai trop du mal parce qu'il y a. Alors je vous explique. Il y a un gros écho dans nos casques par rapport au micro. C'est très difficile de parler. Voilà, c'est pour ça que je parle comme un débile. Voilà, c'est bon. Quoi, y a plus d'écho? Ah si, il y a toujours un écho. C'est chaud. Alors, le match a commencé là. Gatsu un petit peu d'avance sur la vie. Attention, la chope, ça ne sort pas. Alors, mais ça fait mal. Tu vas pouvoir me dire du coup qui est gagnant généralement entre Tripix. Alors, en général, bah, en fait ça va se jouer à 50-50. Quand il y en a un qui a décidé de ne pas être con, gagne. Et ça marche pour les deux. Bon, mais pour l'instant, domination d'Aeon. En fait, depuis le début du ranking là, Aeon a quand même essayé de travailler différemment sur ses phases, travailler plus proprement, avec plus de réflexion et plus de recul sur sa partie. Il peut peut-être réussir à la gagner cette phase. Il y a eu un début de wall combo. Là, ça touche. Alors attention, voilà, joué, le petit spot. Fuck. Et là, c'est fini. Voilà. Ah non, ça n'a pas... Pas. Ah si, ça continue. Ça fait un round partout. Ah, dans le vent qui aurait pu être puni, je pense. Oh, ça prend cher là. Oh, bien joué, ça, il s'est baissé, je pense. Qu'il est. Ah merde. C'est... Ah, ça ne sort pas. Oh. Ah, la shop qui whiff. Regardez bas. La whiff toujours. Voilà, Natsu qui domine. Hein. Natsu, un personnage un petit peu rapide. Léon. J'ai l'impression qu'on a la musique de Requiem for a Dream là. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est épique là. Ah, c'est plutôt pas mal. Là, y'a Natsu qui va se battre avec des seringues tout à l'heure. Avec des seringues? Ouais. Ah non, mais j'arrive pas là. Y'a de l'écho. Y'a de l'écho! Oh, oh! Alors, oh, en tout cas, jolie face de la part de Leon. Oh, ça passe pas. Ça bourre un petit peu. Bon, moi j'attends qu'il fasse péter l'ultra. Hein. Ah mais c'est ça le plus important, c'est ça qui est stylé. Regarde Apac, ben voilà. Ah, il l'a fait péter, bah voilà, et ça touche. Et ça marche. C'est la belle beauté. Je suis devant. Alors attention. Oh, et c'est Ewen qui se prend ça dans les dents. Ewen. Ewen. Parce qu'Ewen n'est pas là. Ewen n'est pas là. Bonjour Ewen d'ailleurs. Bonjour Ewen. Nous écoute, nous écoute. Alors donc du coup c'est un premier match pour Flo. Là ça touche. Encore la bloc. Au sol, c'est compliqué. En fait, au sol, on a deux solutions. Soit il faut on se relever vite. Hein. Le relever vite, c'est compliqué si jamais il le fait avant. Il n'a pas de temps. Il vaut mieux rester au sol. Au moins, ça nous envoie pas en l'air. Et la chope arrière. Et ça ne touche pas derrière de la part. C'est dommage. Bam, bam, bam. Bam. Oh, non, alors, attention. Roulade, la et petite shop. Roulade. Et non, ça shop. Va nous faire une chope. Ah, ouais, bah voilà. J'ai fait sûr. Et elle était au sol. Et voilà. Okay. Even battle to fight. Ah oui. Voilà, là on voit quand même pour l'instant que c'est complètement Mister Explode qui a mis la partie. Ah ouais, là ça va être dur pour Aeon. Change un peu ses phases. Voilà, et là il faut c'est puni tout de suite. Voilà. Voilà. Elle arrive à toucher avant qu'il commence son tour. Ça passe en contre. Là ça chope. Faut arrêter les chopes après les roulades. Et ouais, ça passe encore en plus. Et attaque impatable. Et bam. Et le combo. Et voilà. C'est fini. Le combo fait très mal. C'est marrant de se dire comment c'est une japonaise blonde. Ah, ça existe. Ah ouais? Non, mais je pense pas, mais dans les jeux quoi. Mais après, ça se passe quand même au Moyen-Âge. Ils avaient des couleurs à l'époque? Au Moyen-Âge, non, c'est un monde futuriste, moyenâgeux. Ah, c'est du post-apo! Ouais, je pense que c'est post-apo moyenâgeux, donc ça passe. En fait, ça pourrait quand même être dans Fallout, quoi. Ouais, c'est Fallout en fait. C'est Fallout. C'est vrai que t'es un homme lézard. Ah, c'est un super mutant. C'est logique. Les bebeux! Alors là, Natsu se fait et péter, bam la chope qui la claque. Sachant qu'il a deux barres d'ultra. Lui, il a plutôt tendance à les utiliser. Alors, pour. L'ultra d'Eon n'est pas super intéressant. Ouais, mais pour faire du feu, quoi. Non? On peut l'utiliser pour faire du feu, mais après, c'est mieux faire. Vous voyez à quel point on connaît la technique, on connaît même pas le nom des coups. Ça fait pas du feu. Voilà, on fait du feu. Après c'est moyenâgeux, bah non. C'est un poulet dragon. Voilà. Je préfère l'utiliser pour faire ça. Après quand ça passe, ça fait très mal. C'est pas une gueule de lézard. Moi je pense que c'est un poulet lézard et dragon derrière. Et moitié homme, moitié lézard, moitié dragon.
Ouais, et puis remoitié ours derrière. D'accord. Voilà, bien joué. Et là, ça touche avec un petit coup bas. Deux rounds partout. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Et là, oh là, ça esquive au dernier moment. On aurait pu faire la chanson de Motus. Oh. C'est bien au niveau des notes. Ouais. Oh. Bref. Alors, donc, du coup, lash up touche. Eon se retrouve mid life. C'est dangereux. Le combo. Voilà. Je dis petite phase, mais quand vous voyez les dégâts, c'est ouf. C'est la grosse phase. C'est la folie. Et ça nous fait deux matchs pour Monsieur Ikido. Alors ils vont changer de terrain. C'est vrai que ce terrain là. Voilà. Il y a des jeux de terrain. Ouais. Génial. C'est le même Mélanie. J'avais compris Mélanie moi. Alors du côté d'Ion, on a un changement de peau. Il a enlevé sa peau, et il en a remis une autre. Voilà. À moins que ce soit un costume peut-être. Et là on dirait plus une espèce de lézard de loup. Oui. Ouais, mais en fait je pense que c'est un ours qui a des peaux de lézard dragon purée. Poisson. Poisson. Il a des espèces de. Et du coup il a des ailes quand même, donc il vole sous l'eau. Ah, c'est quoi. Dommage parce que les portes auraient pu faire. Il se garde les graines derrière. Et non, ça finit. Donc là Expo est très bien parti pour gagner. Non. Alors, on va bien voir. Et après, de toute façon, en plus, Ikido est en winner de base. Ah oui. Donc là, si jamais il gagne ce match, c'est il a fini. Tout gagné. Ah oui, ça serait bien. C'est la Capcom Cup, j'ai loupé la moitié là. Désolé. Et après, on est entre amis. Oui, ça on passe. Rigole. Je serais pas là sinon. Tu en découvres tous les soirs, Benoît. T'es un vrai ami. Alors, bon, du coup, on continue le match. Les dragons, alors, les arbres, poissons là. Légère avantage pour Natsu. Ouais, c'est chaud, là, elle c'est est chaud, proche du là, bord. C'est chaud. La, c'est chaud. La c'est chaud. Whiff, c'est ça, chaud. Ça touche c'est bas. Chaud, attention. C'est chaud. Et ça ne c'est sort chaud, pas. Et ça finit. Bien joué. Pour l'instant, c'est ouais, trouver voilà, l'ouverture. Bon, il garde, mais il n'y a rien derrière. Oula, contre le mur, là, c'est chaud. Oh, joli. J'avais jamais vu ça. Ravage, en plus en contre, donc ça fait très mal. Toujours en contre. Ouais, bah, c'est bon, c'est fini, on voit que ça bourre quand même pas mal. Hein, parce que ah, là, beaucoup, mais là, on sent la d'attaque. Démoralisation. J'aurais pas dû dire un mot comme ça avec un micro comme ça, mais... on sent que la Aeon est plus fort. Et en plus, il est tout nu. Ah, il est tout nu. Il est tout nu, là. Il était pas déjà... Non, il avait une armure. Et là, maintenant, il est concrètement tout nu. Ah, bien sûr. Et là, mange le sol. C'est une jolie shop. Moi, j'aime bien en tout cas. Et là, ça, oh, ça ne punit pas parce qu'il change de sens, joli. Et là, c'est puni pas. Ah non. C'est dangereux parce non, que c'est une safe. Attention, il va pas avoir une remontée là. Ah. C'est ah, la là. Shop qui est déchoppée. C'est complètement faisable. La roulade. Une shop. Shop. La shop peut-être. Et, voilà. Et la shop qui garde. Malheureusement, il n'a pas changé sa le face. Le garde impact. Bien joué. Et là, ça ne punit pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour récupérer l'imbloquable là? Lequel? Non, en fait, il est juste resté au sol. D'accord, donc là, c'est une victoire de Explo, on peut applaudir. C'est une victoire de Explo. Bravo Explo, bravo Explo, le champion de Brest. Pour l'instant. Voilà. Voilà. Merci d'être avec nous, enfin, d'avoir été avec nous. On va rendre le micro à Maxime, parce que c'est le sien, et qu'on n'a pas de studio. Voilà. Donc, merci voilà. À vous. Voilà, donc merci à tous. On espère que vous nous réécouterez le mois prochain. La seule personne qui nous a écoutés. On vous aime, bisous. Des bisous d'amour. On t'aime. Bisous.